nouvelle vidéo hashtag 2 où je vais dessiner une de vos pulipes. Comme d'habitude, je sélectionne 5 pulipiens, pulipiennes, donc ce sont des personnes d'Instagram. Vous aurez leur Insta en barre de description. Désolée pour mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer sans s'arrêter, c'est bon. Donc pour les 5 personnes, dans un premier temps, je vais dessiner Nell de Solaris, une FC par Illusion Doll que je trouve vraiment très jolie au niveau du maquillage. Ensuite, je vais dessiner Victorine de Missing No Mio, qui était anciennement une Pulip Suginto 2007, si je ne me trompe pas, qui est une FC de chez Elfie Lunatic. Ensuite, je vais dessiner Neko de Psychocute Doll. Je trouve qu'il l'a très bien customisée parce que faut vraiment oser pour mettre une autre couleur qu'une perruque rouge sur une Pulip grêle, étant donné que la Pulip grêle, elle a des sourcils rouges, et je trouve qu'il l'a vraiment super bien customisée. Je la trouve originale et je l'aime beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas la dessiner. Ensuite je vais dessiner Prudence de Sweetie Tahiti, une FC par Ovi qui est juste magnifique. Et sa photo en passant elle est vraiment super belle, je suis amoureuse de sa photo. Elle a un talent Sweetie Tahiti et c'est d'ailleurs la même personne qui corrige les épisodes de ma série mais que très bientôt elle ne pourra plus les corriger. Donc je sais pas comment je vais faire pour la correction de mes épisodes. Bon après par rapport à ma série il y a beaucoup d'épisodes qui ont été corrigés donc ça va. Et est-ce que j'ai oublié une personne? Oui, la personne que j'ai oubliée, c'est une Pulip Mad Hatter qui s'appelle Madison de l'eau Pulip. C'est une de mes préférées dans sa collection. À chaque fois qu'elle fait des sondages ou demande des questions ou j'en sais rien pour ses poupées, à chaque fois je sélectionne toujours Madison parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est une vampire, c'est une stock et elle est vraiment super belle. Et comme d'habitude, les dessins, je vais leur envoyer pour qu'ils les aient en vrai. Et donc du coup, voilà, bah, je pense que je vais commencer par Victorine de Missing No Mio et ensuite je vais enchaîner. Et du coup, voilà. Donc pour Victorine de Missing No Mio, voilà le dessin. À la différence de la vidéo hashtag 1 où je dessine vos pulipes, en fait je décalquais sur l'écran de mon PC. Et là dans cette vidéo j'ai décidé de ne pas décalquer à travers mon PC. Est-ce que c'était français? Je ne sais pas. Donc ça fait qu'il y a des imperfections, peut-être qu'il y a des yeux qui ne sont pas de la même taille, ou par rapport à la bouche, etc. etc. Donc excusez-moi s'il y a des faux raccords, si je peux dire ça comme ça, des imperfections au niveau du dessin. Voilà. Donc je me suis inspirée d'une photo que ces personnes m'ont envoyée ou que j'ai trouvée sur leur compte, bien sûr avec leur autorisation. Et j'ai dessiné pour Victorine un piano car elle fait du piano, logique, logique oui, c'est une pianiste, je crois qu'on dit ça comme ça. Et donc du coup voilà pour le dessin de Victorine, bah, j'espère qu'il va vous plaire et aussi une fois colorié. Second dessin, il s'agit de Neko de Psychocute Doll. Voilà. Pareil, je n'ai pas décalqué à travers mon PC. Mais je me suis aidée d'une photo, ou plutôt d'un dessin, sur Google Images. Voilà, les modèles que je dessine, ce sont des modèles sur Google Images. Et je ne peux pas vous mettre la référence dans la barre de description, car je ne sais plus comment les retrouver sur Google Images. Ouais, voilà. Alors par contre par rapport aux yeux je n'ai pas été du tout satisfaite
Et c'est vrai que la forme de du visage était très spéciale. Mais bon, le dessin a plu à Psycho Cute Doll, donc c'est ce qui est bien. C'est vraiment super que le dessin lui ait plu. Et du coup, voilà pour Neko. Alors, vous allez voir après, mais je vais dessiner des bonbons parce que Neko aime les bonbons. Et en fait, pour chacun des dessins, je me suis dit enfin, si jamais j'avais la place, de dessiner à côté quelque chose que la tulipe aime. Et du coup, Psycho Cute Doll m'a dit que Neko aimait les bonbons. Et du coup, voilà, j'ai dessiné des bonbons, mais vous allez voir ça juste après. Troisième dessin, il s'agit de Madison de l'Opulip. Pareil, la forme du visage est un peu spéciale, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé mon dessin. Et ce qu'aime Madison, bon, il y a plein de choses qu'elle aime, mais ce sont les roses. Et je me suis dit que la rose rouge va parfaitement avec Madison. Donc du coup, j'ai fait une rose rouge. Bon, c'est pas un rouge assez foncé, mais je n'avais pas de feutre rouge. Je n'avais pas de crayon de couleur rouge foncé. Donc du coup, j'ai pris un marqueur clair. Et par rapport à la couleur des cheveux, Madison, elle a les cheveux gris foncé et je n'avais pas de gris foncé, que ce soit en crayon de couleur ou en feutre, donc du coup j'ai pris un gris clair. Mais bon, le dessin lui a plu, je suis contente et dites-moi votre avis, dites-moi aussi quel est votre dessin préféré. Et pareil, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai essayé de vous montrer comment je dessinais, enfin disons que j'ai cadré la vidéo différemment pour vous montrer comment je dessiner en fait pour que vous voyez mieux et passe sur le côté. Bon, c'est pas encore ça à 100% au niveau du cadrage, mais j'ai un petit peu changé pour un petit peu évoluer le cadrage. C'était pas très français, je blablate pour rien. Bref.
Alors maintenant, je sais que vous êtes encore en train de regarder le dessin de Madison, mais je vais parler à l'avance pour le dessin qui va suivre parce que j'ai des choses à dire. Alors le dessin que vous allez voir dans très peu de temps, c'est Prudence de Sweetie Tahiti. J'avais commencé à filmer, mais je n'avais plus de batterie dans mon appareil photo. Et en plus de ça, quand j'avais fini de dessiner et de colorier le dessin, eh bien, j'avais oublié de faire la photo du dessin final. Ça fait que, en plus de ça, j'ai envoyé le dessin à Sweetie Tahiti et je lui ai gentiment demandé si elle pouvait, une fois qu'elle l'aurait reçu, me faire une photo du dessin une fois fini, car je ne l'ai pas fait. Donc du coup, bah désolé, vous n'aurez pas le dessin fini, mais vous aurez une photo juste après que j'ai fini de parler. Et j'ai fini de parler. Ensuite, prochain dessin, il s'agit de Nell, une tulipe FC par Illusion Doll de Solaris. Donc voilà, pareil, j'ai pas décalqué, je ne suis pas très satisfaite du résultat du dessin, mais ça va, j'aime bien, enfin, il y a pire quand même, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce dessin est un de vos préférés. Et voilà, je vais le colorier. Vous aurez une photo juste après à la fin du résultat final. Et du coup, voilà, et après cette vidéo sera terminée après ce dessin. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre commentaire. Qu'est-ce que je dis? C'est même pas français. Oui, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans la barre de commentaires. Là, c'est plus français pour me dire votre avis. Mais voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, salut!